congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombola Bendel et Ambo Kanabiso. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est arrivé ce lundi 12 juin 2023 au chef-lieu de la province du Nord qui vous prend une mission d'évaluation des opérations. Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Tioé Songé Sakrissio, chef d'état-major général des FARDC, entouré du gouverneur militaire du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été convié au briefing sur la situation générale de la province, présenté par le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire et commandant des opérations au Nord Kivu. Les centres de coordination des opérations ont servi de cadre à cette activité. Répondant aux questions de la presse, Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé les fils et fils du Nord Kivu à l'unité et à se souder comme un seul homme derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en vue d'une paix définitive et durable dans cette partie de la République. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité à notre population. Derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Accompagné du chef d'état-major général, du gouverneur militaire du Nord Kivu et d'autres officiers généraux et supérieurs, le ministre de la Défense nationale a visité ces mêmes lundi les unités des FARDC basées à Kanyamaoro dans les territoires de Niragongo et Mubambiro à Sake. Le vice-premier ministre a terminé la journée par la visite des unités des FARDC basées en Lupango et Luong en territoire de Masisi. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, soucié d'améliorer les conditions sociales et de travail de l'armée, peine à exécuter ses projets parce que nous ne lui rendons pas la tâche facile. Tel est le message lancé par les commandants 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, à l'intention de militaires et policiers à la parade générale mixte de garnison de Bukavu tenue au camp Sayo de 8h à 10h locale ce 9 juin 2023. Lors de son adresse à la troupe, le commandant de la 3e zone de défense a fustigé le manque d'amour, l'absence d'esprit d'équipe et d'esprit de corps parmi les hommes en uniforme. S'adressant aux officiers, il a rappelé que la discipline dans une armée doit être autant horizontal que vertical et être conscient de ses actes et avoir l'amour de notre pays. Message d'amour aux officiers,
c'est effectivement d'aimer les soldats. C'est là où je peux m'arrêter, il faut aimer les soldats. Parce que c'est grâce à lui que nous devons atteindre nos objectifs. Il faut aimer les soldats. Lorsqu'il vous est demandé de respecter ces soldats, respectez-les. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas rendre une tâche facile au commandant suprême. Ne fût-ce que pour maîtriser les effectifs. Contrôle. Mais au finish, nous ne savons pas exactement à combien nous sommes. Il serait souhaitable que nous puissions réveiller cette conscience, comprendre que nous devons finalement être organisés. Le commandant suprême, soucieux d'améliorer les conditions du travail, améliorer les conditions sociales de l'armée, peine encore à exécuter ce projet parce que nous ne rendons pas une tâche facile au président. On ne sait pas combien nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes grâce à ces gens. Donc la discipline au sein de l'armée, la discipline au sein de la police n'a pas de catégorie. Tous nous sommes appelés à être disciplinés. Soldats jusqu'au général. Après la parade générale mixte, le commandant de la 3e zone de défense et sa délégation, mais aussi les commandants en 3e région militaire et les commandants secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu se sont rendus au gouvernorat de province du Sud Kivu, où le commandant zone a présenté ses civilités au gouverneur Ngwabise Kasi. Au sortir, les commandants de la 3e zone de défense s'est adressé à la presse en ces termes. Je suis le chef de mission officielle. C'est juste un village de notre travail. Je ne peux pas se former dans cette ville sans passer, présenter mes civilités à l'autorité politique. Pour finir, quelle est la santé de l'armée dans la province de Sud-Kivu? C'est le travail que je suis venu faire. Comme je n'ai pas encore pris contact avec les différents responsables de l'armée, je ne peux pas beaucoup vous donner, mais pour le moment, la situation est sous contrôle. Merci. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, s'est rendu à Nyamunyuni, état-major secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu, où il a été reçu par les épouses militaires après les honneurs à l'entrée du camp ce 9 juin 2023 à 12h locale. Il faut noter que le commandant zone s'est fait accompagner du commandant 33e région militaire et les membres de l'état-major secteur opérationnel qui tous ont participé à la réunion de commandement qu'il a présidée, peu avant l'exposé du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu. Après l'exposé, les commandants zone a visité le magasin d'armement du secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu, la parcelle de Nomonerie avant de regagner l'état-major de la 33e région militaire. D'une réunion à une autre, le commandant 3e zone de défense a une fois de plus assisté à l'exposé du commandant 33e région militaire et les commandants de grandes unités de la garnison de Bukavu. Retenez que plusieurs difficultés ont été soulevées et l'autorité a promis de saisir la haute hiérarchie militaire pour des solutions appropriées. La délégation de la 3e zone de défense, conduite par son commandant, a quitté Bukavu ce 10 juin 2023 à destination du Viraber 8h05. C'est un voyage par route. Le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, s'est fait accompagner du général-major Yav Avoul Robert,
commandant 33e région militaire, et du général-major Moukala Ingoï François, commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord-Sud Kivu. Il a bravé la dangereuse montagne de Ngomo avant de s'arrêter sur le site historique de Kamanyola, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à 13h40 que la délégation conduite par les commandants de la 3e zone de défense est arrivée en ville d'Uvira, au bord du lac Tanganyika. Aussitôt arrivé, le commandant de la 3e zone de défense est allé présenter ses civilités au maire de la ville d'Uvira, M. Kizamouatou. Au sortir de son cabinet, l'autorité de la zone de défense a placé quelques mots devant la presse locale. Je suis lieutenant général Mbango Machita Marcel, commandant 3e zone de défense, dont le QG basé à Kisangani. Bon, il y a deux démarches d'abord. Donc, quand je viens à Uvira, je dois rencontrer le commandant secteur qui est sous mes ordres pour discuter avec lui sur la question d'ordre et sécurité. Mais la tradition exige à ce que l'on puisse rencontrer l'autorité politico-administrative de l'entité. Ici à Uvira, vous avez un maire de la ville que nous sommes venus visiter pour lui présenter nos civilités. Avec lui, je viens de passer en revue cette situation sécuritaire dans la ville de Uvira. Je viens d'apprendre beaucoup en une fraction de temps que je viens de passer avec lui. Je crois que je suis tellement riche en éléments que je dois mettre sur la table pour échanger avec les commandants secteurs. Ni Uvira na wakati wa Uvira wanaishi ndani. Nilikuwa kuongea zaidi na komanda sekter mwenyewe iko chini ya madaraka ya kwangu, na mbele ya kutumika kazi na yeye ilibidi nimsalimie kiongozi mwenyewe anaongoza Uvira, vile Uvira ndiye tumemaliza kuongea naye. Défendre patrie, nation, territoire abisso, la frontière abisso, Théokali. Le commandant groupement des centres d'instruction et d'entraînement, général des brigades de Mputela Bertin, a effectué une visite d'inspection et d'évaluation au centre d'entraînement Baouma. C'est jeudi 8 juin 2023 pour voir le niveau de formation de ces jeunes Congolais qui se sont mobilisés à défendre leur pays. Après une durée déterminée sous la formation des instructeurs kenyans et congolais, le général Mputela est sorti satisfait. Au cours de cette visite, il était accompagné par le commandant 31e région militaire à l'intérim, le général de brigade Bolingo, et le commandant des instructeurs kenyan, le général Kapia. Le commandant Chesto, le général-major Mamba Moubiaï Augustin, a reçu la visite d'une importante délégation des forces armées populaires de la libération de l'Angola, conduite par le général João Lino, directeur des formations à l'état-major des FAPLA. Trois jours durant, soit du 5 au 8 janvier 2023, cette délégation de l'armée angolaise est venue s'enquérir des conditions d'admission, de la qualité des installations et du vécu quotidien au Collège des hautes études de stratégie et de défense, dans la perspective d'une participation prochaine des officiers angolais dans cette institution d'excellence de la CAC, de l'enseignement militaire de haut niveau. Au cours de leurs entretiens, le général Mamba a fourni d'amples explications à ses hôtes de marque. C'est une formation de haut niveau que nous puissions donner à nos militaires et à nos hauts fonctionnaires. Puisque nous disons que nous sommes au niveau stratégique, nous sommes en train de concilier les aspects politico-militaires.
ministre de la Défense, un président de la République qui est commandant suprême, comment on peut travailler avec les députés, ou les députés peuvent travailler dans les commissions Défense et Sécurité. Au deuxième jour, a été convié à une séance de travail dirigée par le général de brigade Sam Kabila, commandant à Ségon du Tchèze. Chaque chef département a exposé sur le fonctionnement de son domaine, suivi d'un jeu de questions-réponses. Pour lier l'utile à l'agréable, les échanges des cadeaux ont été organisés par les deux parties. Arrivé au terme de sa visite à Kinshasa, le général João Lino s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici pour essayer de négocier avec le Tchèze. Notre intention, c'est d'envoyer quelques officiers de nos services pour venir faire cette formation. Comme nous avions pensé faire une négociation pour que quelques candidats que nous avons peuvent aussi avoir la chance de faire la formation. Et notre intention a été acceptée par la hiérarchie. Les ennemis de la paix en Ituri tiennent mordicus pour maintenir la province dans un statut de non-État, comme les années avant l'état de siège où un climat de paix est observé dans plusieurs entités. En territoire de Djougou, Maegi et Irumu. Dénonciation faite ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés sur la population civile dans le site déplacé de Lala, en chefferie de Bahema Badjere, en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Codeco de cesser de tuer des civils innocents. L'Ituri en a marre de compter chaque jour de morts et de plaider ses fils et filles lâchement abattis. Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie la énième attaque de la collection de la milice Codeco dans le site de déplacés de Lala. C'est la énième carnage dans les sites de déplacés en Ituri. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de l'Ituri puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les fauteurs de troubles, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ces genres sur nos populations ne restera impuni. Il est sûr de rappeler que les attaques sur le site des déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptibles. Clôture des travaux de la deuxième édition du Conseil exécutif national des aumôneries militaires protestantes le jeudi 10 juin 2023 dernier. La cérémonie présidée par le directeur des cabinets du président national de l'Église du Christ au Congo a eu pour cadre le centre La Gloire des Dieux de l'aumônerie protestante du camp lieutenant-pilote Mbaki à la base aérienne de Ndolo à Kinshasa. Ces assises qui ont réuni tous les aumôniers militaires venus de toutes le garnison militaire et des secteurs opérationnels de notre pays ont planché sur les solutions aux problèmes de la bonne marche des services de l'aumônerie militaire protestante. Dans son intervention, le révérend-major Ndengi Dila Kingumina Diedoné, aumônier protestant en chef ad intérim, a rendu un vibrant hommage au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour la vision spirituelle et prophétique impulsée au sein de notre armée. Il a également exprimé sa profonde gratitude au chef d'état-major général pour avoir rendu possible l'organisation de ces assises. Avant que je puisse donner les impressions, je voudrais d'abord remercier le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées,
qui ne ménage aucun effort pour qu'il y ait la paix, la stabilité dans notre pays. Au chef d'état-major général, vraiment, je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Il nous a permis à ce que nous puissions avoir des autorisations de déplacement. Vous comprenez qu'à cette heure, à ces moments de la guerre, mais il a voulu que les aumôniers viennent et les aumôniers sont là. Et il a mis des moyens pour que nous puissions organiser ces assises. C'est pourquoi je le remercie. Dans son mot de clôture, le révérend Moïse Ngbema, directeur de cabinet de l'église du Christ au Congo, a au nom de ces derniers prononcé la traditionnelle formule qui a sanctionné la fin de travaux de la deuxième édition du conseil exécutif des aumôneries militaires protestantes qui ont commencé depuis le 29 mai 2023. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.